L'histoire que je vais vous conter a commencé il y a 3 ans. Dans une autre ville, un autre labyrinthe où les victimes n'ont pas de visage, mais où les méchants sont photogéniques. Il y a 3 ans, ce jour-là, il sortait de prison après un semblant de peine. Tout le monde était en crisse. Il venait de faire 4 ans. Juste 4 ans pour 23 viols. Il y a 3 ans, le long clou de la haine a été enfoncé encore plus creux dans le cœur de 23 femmes. 23 femmes restées prisonnières de la nuit. Sa dernière victime, c'était Julie. Julie, c'était la 30e. Julie est devenue le symbole de la lutte de toutes. Après la mort de Julie, Lorraine a appelé plein de monde. Elle a réussi à embarquer une dizaine de filles dans un commando de la justice à rendre. Les filles savaient c'était qui le Chris. C'était dans les journaux. La police savait c'était qui, mais elle faisait rien qu'on aurait dit. Ou elle faisait de quoi, mais ça paraissait pas. Fait que Lorraine s'est proposée comme appât pour Julie et pour toutes les autres. Il y a un mois, il est venu faire un tour sur la traque. Quand il a sauté sur Lorraine, toutes les filles y ont sauté dessus. Je ne dirai pas tout ce qu'ils y ont fait. Je n'avais pas besoin pour comprendre. C'est fait pour être violé. Dans la carte, on va écrire. Certains juges, comme les femmes, sont faits pour être riches. Joyeux Noël, juge.